Hey tout le monde, salut tout le monde, salut Fugazi, salut Kurozenkai, abonnez-vous. Ça c'est rigolo, c'est rigolo. Il vient à peine d'arriver, dit abonnez-vous. Salut Fugazi, salut, salut, salut tout le monde. Alors hop, on va travailler sur le tuto de Sylvan. Alors on va, j'ai pas eu le temps de modifier le visuel, mais on va le faire. Salut tout le monde. Hein. Si, si, c'est la bonne fille, si, si. Tu vas pas me faire peindre un truc où, de toute façon, le tuto, ça va être trop violent. On attendra, on attendra, on attendra. On attendra un petit peu. Salut à tous ceux qui arrivent. Merci encore à tous les abonnés, que ce soit du Patreon, du Twitch et aussi ceux qui sont sur YouTube. Merci à vous, les amis. Allô? Voilà, c'est parti. Ah merde. Relance. Bon, la préparation de cette figue n'a pas été très très compliquée. D'ailleurs, je vais vous montrer ce qu'on avait fait la dernière fois. Se coucher sur un socle noir, bah, ça donne plutôt bien. Bon, là, c'est un peu flou. Voilà, pour les mettre là. On verra des photos prochainement. Ici, on a fait des petites conversions. Alors, déjà, ce serait bien que je récupère mes pinceaux qui sont là-bas. Je vais bosser sur l'autre table. Alors, les basiques, hein, ça va être, on va travailler du basique, mais surtout, je vais vous montrer on va dire un peu une nouvelle technique de peinture. On va dire oui et non. Salut, salut Eric. Tout simplement, on va travailler. Quand vous regardez la figurine, tout est quasiment dans la même teinte en fait. Donc, on va travailler dans le frais. C'est-à-dire que je vais prendre mon petit mélangeur, je mettrai ma peinture dedans et je mélangerai directement dedans et on mettra au fur et à mesure sur la figurine. Donc, ici, je vais vous montrer. Il y a eu pas mal de conversions faites avant. J'ai mis à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure à convertir cette figurine. Donc, c'est subtil. On reste toujours dans le, comment ça s'appelle? On reste toujours dans l'illustration. Donc, hop. Voilà, on va regarder ici plus facilement. Ici, les lames sont beaucoup plus petites. Donc, je les ai reponcées et j'ai refait les pointes. Ils n'étaient pas à l'origine. Ici, je lui ai fait sa petite natte que vous pouvez voir un petit peu ici. Alors que de là, là, c'était plein. Ici, il y avait quelque chose. C'était des cheveux. Donc, je les ai enlevés. C'était trop. Ça faisait trop. C'était pas joli à mon goût. Ici, j'ai séparé l'arc et les cheveux, parce que l'arc et les cheveux, vous verrez que derrière l'arc et les cheveux est complètement différent. L'arc est beaucoup plus grand normalement. Normalement, je pense que l'arc devrait monter vachement plus haut. Mais on verra après si en part 2, parce que le part 1 va être assez rapide, hein, vous allez voir que ça va se peindre assez facilement. C'est des figurines assez faciles. Peau de gel des années 60, ouais, c'est ça. Donc en fait, si vous regardez bien, là il y a l'arc et ici il est beaucoup plus petit. Donc là il y a vraiment un petit souci. Donc j'ai pas encore fait la tige. On verra si on la customise beaucoup plus après. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Donc là j'ai refait les cheveux. Hein, j'ai redécoupé ici, redécoupé ici. J'ai aussi découpé ici une touffe de cheveux. Ça c'était plein. Donc j'ai découpé et j'ai, hop, on va remonter et j'ai restrié les cheveux ici. J'ai refait les tris. J'ai recreusé les tris. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ce sont les principales conversions que j'ai faites. Ouais, c'est ça. Je ne l'ai même pas encore poncé, hein. Je lui ai mis qu'une sous-couche. Alors ici, il y avait un trou. Alors, on va se décaler un petit peu. Ici, il y avait un gros, gros trou ici. Ici, il y avait un trou. Alors attendez, je vais peut-être. Là, la netteté, elle est mieux. Voilà, comme ça vous verrez dans le fond. Ici, il y avait un gros trou. Donc, comme d'habitude, vous m'avez déjà vu, hein, je mets de la super glue et je ponce. Après, on a enlevé tout ça. Bon, on voit beaucoup mieux d'ailleurs. Là, la tignasse de cheveux, de là à là, tout ce qui était ici, c'était plein.
Donc ça m'embêtait un peu. Ici, c'était plein aussi. Et là, c'était plein. Donc ici, on réfléchira à la fin, savoir si on va pas mettre une tige ici et une corde, en fait, comme on le voit sur le dessin. Je vais sûrement le faire. Mais c'est pour ça qu'il y a encore la. Vous avez vu ici, il y a encore la trace de moule qui descend. Je ne l'ai pas travaillé. Parce que je ne sais pas si je vais tiger, puis travailler, puis pas tiger, etc. etc. Bon, pour l'instant, je ne sais pas. Ce sera une conversion, je pense, en part 2. Et je ne veux pas la mettre tout de suite. Parce qu'en fait, on va l'avoir en bout ici. Et le nombre de fois qu'on va passer devant, qu'on va retourner la figurine, qu'on va la casser, on risquera de la casser. Donc je veux pas du tout la mettre, en fait, pour l'instant. Et voilà. Moi, ça m'embête de voir ça. Donc on gratte un peu quand même. Mais je pense qu'on le fera à la fin. À la fin, peut-être à la fin du part 2 ou en début de part 2. On verra ça. Je pense qu'en début de part 2, on le fera. Donc là, je retravaille un petit peu tout ce que j'ai pu voir qui traînait là. Bon, ça va, il n'y a pas eu trop de travail de moule ici. Il n'y a pas eu trop de grattage. Il y a eu surtout beaucoup de conversions et de modifications. Par exemple ici, ça va m'embêter. Juste le tout petit truc ici là ne va pas avec les cheveux. Voilà, ça me paraît plus logique comme ça. Donc là, j'ai vraiment tout poncé, hein. J'étais à la Dremel ici. Un peu sur le socle aussi. De quoi sur le socle? Ah oui, là. Ouais, il y en a là, ici. Là. Mais bon, ça, je le travaille souvent à la fin quand je refais le socle. Je mets, de toute façon, en ce moment, moi, je mets que des sous-couches noires. Je mets que du noir dessus. Ça sert pas à. C'est juste histoire de quoi. Et volume, quoi. Ah, ici. Je pensais avoir gratté un peu plus, mais apparemment. Non. En tout cas, la robe qui est cette espèce de tas de feuilles là. Donc ça, c'est le personnage qu'il y a dans l'extension éléphant, je sais pas quoi là. Elle est vraiment trop cool cette extension. Les figurines sont trop bien. Putain, mais j'ai même pas vu. J'ai gratté la figue, il y a des trucs que j'ai même pas vu. Et de toute façon, qu'on voit qu'elle a la sous-couche en même temps. Donc on va éviter de trop. On va éviter de trop la défoncer. Bon, je travaille encore un petit peu dessus. Parce que je pense que la peinture de cette figurine va être assez rapide. L'autre que j'ai fait pour moi-même, la femme, il y en a une autre comme ça. Elle est dans la vitrine, elle n'est pas finie. Donc je ne peux pas vous la mettre en tuto. J'avais eu la flemme de la finir. Je l'avais commencé en 1 heure et après j'avais eu la flemme de la finir. Ou je crois que j'avais eu la flemme, soit il y avait autre chose. Je ne me rappelle plus trop ce qui m'avait fait arrêter. Mais la flemme était une bonne excuse, je pense. Est une bonne excuse. Bon, bah, ça me paraît plutôt mal. Pas mal plutôt. Ok. Bon. Ça me paraît pas mal. Pareil, là, les plumes d'ici, ce n'est pas les mêmes qui sont sculptées là. Donc c'est assez étrange. Mais bon. Comme d'hab, c'est pas comme si je ne vous montrais pas à chaque fois les petites erreurs qu'il y avait. Allez, on est parti. Donc ça, je vais me le mettre en haut. Vous, vous ne le verrez pas, mais moi, je le verrai. Je vais lui mettre un petit coup de scotch. Il est où à ma gauche ici, histoire qu'il ne s'envole pas. Donc c'est bien tout ce qui est papier glacé comme ça. Le scotch ne fait absolument rien dessus. Bah, du scotch de masquage, bien sûr. Ok, donc pour le Sylvan, si vous voyez bien, il y a vraiment tout ce dégradé de vert jusque du haut. Donc le haut va être très très clair, va devenir de plus en plus vert, jusqu'à un vert foncé, excepté ici les petits trucs là où ils vont être un peu plus vert d'eau.
Donc là, on va chercher donc les couleurs. Donc les couleurs vont quasiment être toujours la même chose. Là, le marron des sacoches vont être l'ombre brûlée. Le visage va être une peau très très claire, bien sûr, comme tous les elfes. Donc on va prendre notre base de gris opaque qu'on éclaircira à Ivoire. Okay, ouf, monsieur Ivoire, où es-tu? D'ailleurs, j'en ai deux Ivoire, c'est bien. Un I et Ivoire. Après, que je regarde les épées, c'est donc du gris ciel. Après, c'est du beige. Il est où le beige? Pour la barbe, les poignets, les gardes. Alors, il est où monsieur beige? Il est où monsieur beige? Ah, le voilà. Du beige. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les cheveux, bon bah ça va être comme d'habitude, vous connaissez, hein, gris allemand. Et on éclaircira au gris clair. L'orange derrière comment s'appelle? Des plumes vont être le marron orange. L'or, c'est l'espèce d'or, c'est du beige. Du beige, pas du beige. Le beige qui va être beaucoup utilisé sur l'épaulette ou sur la jambe. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Rien, je suis quasiment tout. Ah, j'ai l'épée derrière qui va être donc en bleu marine foncé, qui sera classique, je pense, au gris bleuté, gris bleu clair. Voilà. Ça, il n'y a pas trop trop de couleurs de ouf. Maintenant, on va s'occuper de tout ce qui est donc tout le vert. On va prendre notre vert clair ici, qui va faire notre dégradé, donc on va l'utiliser tout de suite. Notre vert pastel, qui va être aussi un mélange un petit peu sur l'armure. Si vous regardez bien, c'est un mélange de vert pastel et de beige. Et qu'est-ce que j'avais d'autre là? Ah oui. Notre gris olive. Ok, toujours. Donc le pastel, on va le mettre là-bas, c'est pas là, ce espace qu'on va utiliser. Gris ciel, gris olive, et après, vert olive, et non, ça c'est pas bon. Il est où? Il est où ce vert? Donc pour les arêtes, bien sûr, on va voir notre gris pierre qu'on utilise comme d'habitude. Et il nous faut notre... il est où? Ah bah le pastel il est là, mais c'est pas celui-là que je veux. Et on aura notre vert noir donc de chez Prince Auguste la Games qui est donc un opaque, donc c'est une très grosse base. Et ce qui aussi je peux vous donner, et c'est ce qui est aussi la couleur de l'armure de Boba Fett, et qui est aussi du Dark Angel. Donc c'est deux mêmes couleurs. Et ben on est parti. On va partir sur du gris ciel pour la couleur de la tunique. Et après on va au fur et à mesure mélanger et éclaircir dans notre petit godet ici. Comme ça vous pourrez voir l'approche. Hop. On va mettre notre gris olive. Les mélanger. Ah, monsieur Fugazi est VIP, c'est ce que je vois. Il est passé VIP. Bien. Et donc voilà, donc ça va être les trois couleurs qu'on va utiliser sur le truc avec bien sûr l'éclairage au vert pastel, mais on le fera plutôt à la fin. On est parti, donc on va utiliser un 2 et notre double 0. Voilà, non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là que je voulais, ça c'est le double zéro, mais c'est pas le double zéro que je voulais. Voilà, on va réutiliser notre Raphaël numéro 4 ici. Alors, numéro 4 avec petite, comment s'appelle, comment on dit ça, avec petite boue, un séron, et voilà. Moi, VIP, bah, je sais pas, regarde, t'as un badge VIP avec un diamant. Donc, apparemment, t'es VIP.
Donc on est parti, on va commencer par poser la couleur qui va nous servir de base pour à peu près tout. Donc ici, pas de souci, vous pouvez y aller. On va poser, donc c'est très très clair, ça va être la couleur de base qu'on va avoir ici sur le t-shirt. Donc là, c'est une autre travail avec ce pinceau. C'est plus un travail de... Attendez que je regarde bien là. Ok, ça c'est juste l'armure. C'est travail un peu plus juste boue. Et comme il y a beaucoup de... Beaucoup, comment ça s'appelle, de mélange qu'on va faire en peinture frais, bah, le fait d'avoir une bonne réserve. Donc je vais vous montrer comme ça. Vous verrez en dessous comment je fonctionne. Donc là, hop, on travaille un peu plus foncé. Ça permet d'avoir pas besoin de mettre de peinture jusqu'au bout et juste utiliser la pointe du pinceau pour travailler. Alors j'ai peut-être quoi que non, je suis pas obligé de reculer. Hop, on remélange un petit peu. Donc ici, vous avez vu, il n'y a pas d'eau comme d'hab, hein, c'est les bases. Comme la peinture, il faut qu'elle soit solide. C'est ce qu'on appelle peindre dans le frais, c'est-à-dire que vous allez foncer et éclaircir au fur et à mesure que vous avancez sur la figurine. Comme ça, les couleurs vont plus facilement se diluer et se mélangeront beaucoup plus facilement. Et vous aurez votre dégradé qui sera fait. Au fur et à mesure, on remet notre peinture. Comme ça, vous piochez dans le dégradé que vous avez fait, le mélange que vous avez fait dans votre palette pour travailler les couleurs. Donc, j'ai vraiment récupéré ce pinceau pour faire que ce type de peinture. C'est-à-dire peindre dans le frais, ayant une bonne réserve d'eau dans le pinceau pour éviter que les mélanges soient comment ça s'appelle, trop secs. Donc là, on fait notre petit rouage dans le frais ici. Vous allez voir, c'est assez étrange hein, comme façon de faire. On va reprendre notre mélange ici. En fait, on va faire, c'est comme si on faisait une base avec une seule fois. Vous prenez quelque chose de plus clair. Hop, et on redégrade. Donc là, le dessous, logiquement. Et donc, notre extrême couleur vert de base est en haut. Et on va le retravailler un peu plus ici. Voilà, j'ai toujours la pointe qui est utile, mais il y a une bonne réserve d'eau. Ça permet de prendre la peinture et la poser. Ça me paraît pas trop mal. On va la sécher. Mais sans déconner quoi. C'est ça. Comment va monsieur Kurozenkai, le tout premier abonné de la chaîne? C'est passé, mais
Ah, vous avez vu que là, on a déjà un dégradé qui ressemble beaucoup plus à ce qu'on pourrait trouver. Et c'est beaucoup plus naturel, en fait. Le rendu naturel est beaucoup plus sympathique ici. Donc, on reprend notre couleur ici. Alors, on va pas incruster dans notre mélange celle du dessus. Ça sert juste à faire l'intermédiaire. Ici, on est là pour foncer celui-là. Pour cette étape. Et c'est vraiment... Ce pinceau, j'utilise que pour ça, donc il est super méga neuf parce que j'en j'utilise pas très souvent. J'utilise souvent sur les grosses créatures ou les gros dégradés non métalliques métal quand je dois faire les bases. Mais sinon, j'utilise très, très peu souvent. Donc, vous avez à peu près capté la peinture dans le frère. On a tout fait notre mélange avant de sécher entièrement. Et maintenant, voilà, je peux garder la même. On va commencer à retoucher les endroits. Faire attention que avec ce type de pinceau. Ça, c'est quoi? C'est un 84. Je crois que c'est un 84, 84, je ne sais plus. Je vais vous dire ça. Parce que j'ai mis une petite attache dessus. J'ai mis un scotch pour quand il a la tête en bas, de savoir de ne pas l'utiliser comme ça. Donc c'est un 84 tout court. C'est un 84-0 avec du Colin 6. Donc c'est du 84-0 celui-là. C'est un 80. C'est un 8400. Donc là, on va rajouter une petite touche de vert que vous pouvez apercevoir. Alors, faire attention parce que ça, c'est des taches de, c'est des couleurs, comment ça s'appelle, dues à un filtre de couleurs hein, qu'il a mis sur la figurine. Là, on va remettre un petit peu de mélange. De gris olive. Travaillez comme une palette en fait, c'est-à-dire que vous faites votre palette, vous prenez ce que vous avez besoin. Et ça permet de faire vite fait des drapés multicolores comme ça, multicolorés. Après, là, on va arriver vite à la limite du pinceau. Il y a des choses qu'on ne peut pas travailler avec. Donc, je vais vous montrer. Donc, c'était pour vous montrer une autre façon de faire des bases. On va sécher et on va passer donc à notre vert pastel. Le rendu est très lisse et très dégradé. Moi, j'adore travailler comme ça. C'est vraiment une façon de perdre rapidement, c'est une des manières que j'utilise assez souvent quand il y a une commande professionnelle sur des figurines qu'on a drapées comme ça, c'est beaucoup plus rapide. Donc on va prendre dans notre dégradé ici, on a mis notre blanc. On va aller donc travailler nos premiers éclairages avec notre mélange.
ne comprends pas tout. Là, il manque une sculpture ici, là. Il manque une sculpture, là. Je comprends pas. Donc, ce serait donc ça qu'il mettrait. C'est une des manières pour aller très très vite en peinture. Le fait de mettre plein de touches comme ça vous permet d'avoir encore quelque chose de beaucoup plus résistant. Allez, on remet un peu plus de vert pastel. Je vais le mettre ici, comme ça vous allez le voir. Pour mon mélange. Travailler ça comme une palette pour un tableau en fait. Hop, dans la couleur qu'on veut. C'est une technique que j'utiliserai dans une des prochaines commandes que je vais avoir pour le début de l'année prochaine, qui est donc une plante. Et donc ça va être bien pour faire les feuilles, etc. Donc là, on va utiliser juste pour éclaircir un petit peu. La texture. Comme je sais qu'au séchage, c'est un petit peu plus foncé. Ah, si on va augmenter les effets de pli, même si sur le visuel, il n'y est pas. Par exemple, si vous avez des figurines monochromes à faire, c'est typiquement la technique qu'il faut utiliser. C'est beaucoup plus rapide à travailler. On est plutôt pas mal là. Alors mon pinceau ne sert plus à rien maintenant. Je ne l'utilise plus. Hop. On l'a nettoyé, on le range. Et on va prendre d'autres deux zéros. On va faire un mélange un peu plus clair. Et on va s'occuper tout de suite. Des arêtes. Alors, ils ne sont pas sur le dessin, mais si vous ne le faites pas, en fait, votre figurine sera beaucoup moins lisible. Et donc il faut le faire. C'est la différence entre un visuel 2D et un visuel 3D. Enfin, c'est pas une technique pas très répandue, mais pour ceux qui font des grosses figurines, des statuettes ou des grosses figues, les Espagnols utilisent beaucoup. Mais ils ont un rendu beaucoup plus mat parce qu'ils diluent beaucoup plus. Moi, ce n'est pas le cas. Moi, c'est une base. Je préfère garder ce rendu très lisse. Donc là, je prends directement le.
couleur le vert pastel pour faire sortir les arêtes. Ici quelques plis. Vous avez vu, hein, c'est pas très très compliqué. Faut juste bien comprendre comment on fonctionne avec ce type de technique. Et dès que vous avez compris, tout devient plus facile. Les space parades, vous pouvez les faire même chose. Hein. Tous ceux qui ont des grandes zones à peindre, vous augmentez votre taille de pinceau, comme vous avez déjà expliqué. Et vous travaillez des zones plus grandes. Plus votre zone elle est grande, plus vous allez augmenter la taille du pinceau. Et moi, le plus souvent, j'utilise ce type de pinceau parce qu'il a beaucoup plus de réservoir. Donc ça me permet de faire tout le tour de la figurine. Tout le tour, et c'est vraiment, vous pouvez faire du no métallique métal comme ça très 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 facilement. C'est vraiment très très facile. Et le rendu, si vous maîtrisez cette technique, est toujours génial en fait. Encore plus à l'effet de la caméra, vous avez l'impression que le dégradé encore plus est encore plus parfait à l'écran. Donc ça, c'est vraiment une technique qui marche vachement bien pour des visuels rapides et des visuels que vous mettez sur Internet. C'est-à-dire qu'avec un effet de lumière qui est assez plat. Vu que c'est de la 2D, bah vous allez ultra contraster sur les dégradés ultra rapidement pour avoir un rendu super vite, rapide. Mais nous, on va encore améliorer tout ça. Donc voilà, vous avez très très vite une couleur qui est vraiment cool. Là, vous avez déjà un premier éclairage. Ici, donc, on a notre vert, mais vous avez vu qu'ici, c'est un petit peu plus marron. Donc, on va utiliser notre ombre brûlée qu'on avait tout à l'heure. Donc là dans cette palette-là, on va juste en mettre un tout petit peu parce qu'après on n'utilisera plus la palette. Voilà, on va pas en mettre beaucoup plus. Excusez-moi. On va faire notre mélange entre les deux. Hop, je vais vous montrer. Faites votre petit mélange ici. Un peu plus de gris olive. Hop. Vous allez diluer. Donc, vous avez fait votre mélange, hop, vous le diluez. Et vous allez l'utiliser ici en wash. Après, on va refaire tout le tour de la figurine comme ça. Ah, là, j'en ai un peu trop. Comme c'est en wash, ça va. Comme votre base, elle est clean. En fait, c'est comme c'est une sorte d'effet de salissure, si vous préférez. Et ça donne un effet de visuel vraiment trop cool. C'est vraiment très très simple. Ça, par exemple, les grosses créatures, les gros orques ou les trucs comme ça, ceux qui ont des grosses peaux à faire ou des trucs un peu de ce style, bah vous le faites. Palette Europe ou palette perdue? Palette Europe. T'as vu? Et je peux même aller plus loin. Tu peux prendre palette SNCF même. Ah oui, j'ai travaillé dans la distribution. C'est un humour de comment ça s'appelle, d'anthropos, hein. Moi, à l'époque, la palette SNCF a coûté 15 euros, je crois. Donc à chaque fois, les livreurs, ils voulaient récupérer les palettes SNCF qui restaient dans le truc. Voilà, vous avez un rendu. Hop, on va sécher pour vous montrer. Et on aura mis, allez, une vingtaine de minutes à le faire. Oui, j'ai des restes de logistique. Ah bah moi aussi, j'en ai fait beaucoup.
Bon, ben voilà, une petite robe en très peu de temps. Et assez facilement utilisable. Hop, on va enlever ça, on va reprendre notre grande palette. Donc là, je n'ai pas besoin de vous montrer exactement. Je vais juste vous dire les couleurs que j'utilise. Hop, c'est tout ça. Donc là, on va faire le ceinturon. La ceinture et les bretelles ici. Donc, ça va être notre ombre brûlée. Et on n'utilise pas cette fois-ci notre. Habituellement, on utilise du camo allemand brun foncé, mais en fait, il est beaucoup plus pour du cuir, en fait. Et lui, il est beaucoup plus pour des lanières. Et c'est la couleur, de toute façon, qu'il y a sur le visuel. Ah ouais, ok. Comme d'habitude. J'ai un petit souci avec mon pot. Il a décidé d'en sortir beaucoup plus que je lui avais demandé. Donc là, comme on est des bases, ça va être du 100%, et j'ai l'impression qu'il m'a sorti que du médium. Ah, j'entends quasiment plus de bruit, c'est-à-dire qu'il est mélangé. Ah ouais, c'est pas du tout la même consistance. Bien mélanger vos pots de PA, hein. Donc là. Cette figurine, elle est super accessible au pinceau, c'est vraiment bien. Je sais pas qui c'est qui l'a fait, mais elle est vraiment cool. Je dis, le fait de faire ça, vous avez vu, c'est très lisse. Moi j'adore. Hein, pourquoi c'est très lisse? C'est comme on a mis beaucoup de peinture. Et très peu de dilution, il y a beaucoup de médium, mais c'est comme un vernis. Plus vous mettez des couches de vernis, plus c'est lisse. Voilà, c'est exactement pareil. Alors, on va éviter que ça batte non plus. Que ça bave partout. Les débuts de peau de PA sont toujours assez compliqués si vous n'avez pas bien mélangé. Bon, là, ça va. On va travailler ici le carquois. Parce que cette couleur est la plus logique. Je la vois pas en blanc, je la vois pas d'une autre couleur. Je vais me décaler un peu sinon. Vous n'allez pas voir quand je peins. Je sais pas si vous avez vu la vidéo de ce matin, le tuto d'un midi, où j'ai quasiment fini mon Dragon Ball avec un style de peinture complètement différent des tutos que je peux faire. Là, j'étais sur un visuel de comment s'appelle, avec les ombrages en noir. Et c'est vraiment sympa. Parce qu'on avait un petit peu convenu avec le client. Il voulait pas une peinture simple, il voulait quand même un petit. Oula. Il voulait un petit rendu un peu plus manga. Et donc je lui ai donné avec cet effet. Cet effet d'ombrage. Putain, mais elle est où la sculpture là? Bon, j'en vois pas autre part de ça.
va bien clean tout ça. Pour être tranquille après. Je suis marrant, j'ai eu des gens qui sont venus m'envoyer des vidéos en disant que ma peinture, que mes tutos peinture étaient trop longs, et ils m'envoyaient sur des vidéos où des gens ils font des speed painting en 1 heure ou 45 minutes. Je vous laisse imaginer la qualité. Et donc j'ai envoyé en disant, mais c'est pas du tout le même type de peinture, mais bon, ça fait un. La sculpture a l'air moins prononcée que l'autre elfe que tu as fait cette semaine. Ouais, l'autre c'est pas du tout la même. En plus, elle est plus petite. Ça, c'est un peu le problème des. C'est même pas la même dimension. C'est le même jeu, hein. Mais c'est pas la même dimension. Ouais. Non, ouais, ça c'était un elfe beaucoup plus dark, mais il est beaucoup plus gros. Donc il est beaucoup plus facile à peindre celui-là. Donc c'est pas du tout la même dimension en fait. Donc c'était marrant, j'ai reçu le message comme ça, je disais, ah ouais, ok, bon, bah j'ai reçu ça sur YouTube. Bien sûr, ils le mettent pas en message, ils le mettent en MP. Et j'étais vraiment mort de rire, quoi. Et je dis, ah ouais, ok. Il dit, ouais, on voit pas, on comprend pas. Alors il dit, je comprends pas pourquoi tu fais des tutos plus tard, les figurines sont déjà sorties et il y a des tutos qui sont plus rapides. Ben, je dis, ouais. Donc je renvoyais un message, je lui dis, ouais, mais c'est pas, on s'en fiche, c'est pas le but, ça est plus rapide. Je suis pas peint plus rapide, j'explique comment peindre un truc fin. Ouais, mais il n'y a pas besoin de 2 heures. Ah, ok, voilà. Les gens que vous pouvez recevoir. C'est pour ça que YouTube, j'ai déjà un peu du mal avec les gens sur YouTube. Ils sont un peu, excusez-moi, bon, si vous regardez ma vidéo, ouais, mais il y en a, ils sont vraiment pas très malins. Ils sont pas très malins, les gens, des fois. Donc, ça m'a fait bien, bien rigoler. Ça m'a fait mon après-midi. J'ai vu ça vers 16h30, 17h. Ça m'a fait rigoler. Je dis, ah ouais, ok, bon, bah apparemment, ça sert à rien ce que je fais. Bon, bah, pas de souci, hein. Voilà, c'est vraiment, c'était voilà une petite anecdote qui était rigolote de la journée. Bon, ça, c'est des volumes 3D, hein. Ça, c'est absolument aucun volume fait main, hein. C'est que du 3D là. Donc là, on va s'occuper de toutes l'épaulette, l'armure, l'avant. On va s'occuper de tout ce qu'il y a ici, là, là, ici, là, et le pied là. Et donc logiquement, ce qu'il y a derrière là, sauf les mains. Et ça va être notre donc vert pastel, qui sera un petit peu éclairé au beige. Alors par contre, je vais un peu mieux le mélanger. Vous allez voir que la figurine va être. Elle est assez rapide à faire, hein. Vraiment, elle est assez rapide, hein. Je l'ai pris parce que je voulais qu'on fasse une petite customisation en avance. Et aussi, on pourra customiser un petit peu plus la figurine en niveau 2 en mettant une flèche, en mettant du câble, etc., etc. Je me suis dit ça. Les autres, je les avais pas montrés. Parce que si j'avais montré un petit peu à Geneviève, je crois, mais je crois que Geneviève, je l'avais fait hors stream. J'ai un doute, où j'avais mis le câble de son arbalète. Je sais plus, je sais même plus. La vidéo, je l'ai fait il y a déjà 3 semaines et je m'en rappelle même plus, quoi. Incroyable. Donc là, on n'hésite pas, on pose, hein. Donc je suis toujours avec mon double zéro ici, que je nettoie de temps en temps. Entre les poses de peinture. Non, non, elles sont sur YouTube. 4 heures. Non, non, elles sont sur YouTube. 4 heures. Je comprends pas ce que tu me dis. Tu vois, mes trucs, elles sont sur YouTube 2 fois 2 heures. Mais c'est juste qu'il y a des gens qui disent que le fait de faire des tutos en 2 heures, ça sert à rien, alors qu'il y a déjà des tutos de gens qui les font en 1 heure, voire en 3 quarts d'heure. Je dis, bah ok. Et je dis, c'était pas du tout le même style de peinture. Surtout, c'était pas du tout le même rendu. Et bien sûr, il m'a laissé un lien, j'ai été voir le lien. Bon, je vous raconte pas comment la figurine est peinte. Hein. La figurine part 1 et part 2, oui, c'est ça. Mais la plupart, le. J'ai été voir le gars qui fait ça, donc
Là, c'est 20, 20, 25, 30 000 personnes qui le suivent sur YouTube. Et donc, c'est rigolo qu'il y ait un gars qui vient un petit peu le titiller. Alors, peut-être que je l'ai embêté. Hein, s'il vient de m'embêter, c'est que je dois embêter des gens. Et c'est assez rigolo. Donc, c'est assez rigolo. Me fait bien marrer des gens qui viennent comme ça, qui savent vraiment pas de quoi ils parlent. Et là, c'est beaucoup, hein, sans déconner. Sur les figurines, il y en a beaucoup, hein, excusez-moi, amis youtubeurs, mais bon. Je vous aime bien, les amis YouTube. Et c'est comme tout, il y a beaucoup de toxiques. Donc vous avez vu là, il n'y a pas, c'est une figurine, elle n'est pas très très compliquée. Dès que vous avez capté le dégradé à faire de base là, la peinture dans le frais, c'est super facile. En plus, j'y vais comme un bourrin. Hein. Donc après, le gars, bon, je l'ai pas banni de YouTube, mais bon, si en plus ça peut le faire rager, ça me fait rigoler. J'espère que je ne vais pas avoir trop de. Oui, la figue à l'arbalète, elle est sur le YouTube, oui, je sais. Je l'ai mis, mais je ne me rappelais plus si dans la vidéo j'ai mis comment j'ai fait la flèche en fait. Le merde. Le fil de l'arbalète. Le cap de l'arbalète, je sais plus si je l'ai montré, c'est pour ça que quand j'ai vu cette figurine, je savais qu'on allait la peindre assez rapidement. Oui, avec le fil de cuivre. Ah bah donc je l'ai mis alors. Ok. Ah oui, mais non, je l'ai montré que je l'ai mis, mais je n'ai pas montré comment je l'ai mis. Je crois que je l'ai fait hors caméra où j'avais déjà commencé. Là, j'ai bien tout bossé là. Bon, il y a des traces de mouche, je les vois là. Falloir que je les retravaille un peu. Ouais, je vais le refaire avec un. Je le referai avec un fil de cuivre, je pense. C'est avec le même fil, hein, mais là on va augmenter un petit peu le custom. Ah, tu l'as maté cet après-midi. Eh ben c'est cool. Elle était compliquée cette figurine. Wow. C'est pas pire quand même. Celle qui nous a vraiment saoulé, ça a été Azim avec tous ces trucs. Ah, c'était vraiment la plus relou, je trouve. Bah, j'espère que le tuto il t'a plu, Fugazi. Toujours. N'hésite pas, hein, si tu regardes les vidéos, n'hésite pas à les commenter aussi, c'est bien. Ça fait rager les gens, j'aime bien. Moi. Quand vous commentez une vidéo, vous dites c'est bien et que les autres l'ont vu, ils m'ont dit mais non, c'est moche. Ça me fait trop tilter, ça me fait trop rigoler en fait. C'est pas que ça me fait tilter, c'est que ça me fait bien rigoler les gens qui viennent dire de la merde. Bon, ça va, j'ai pas trop de négatifs. En même temps, de toute façon, les vidéos, ils restent pas longtemps. C'est les figurines qui sont déjà faite, et là en plus j'ai pas de très bon appareil photo pour faire des photos, donc dès que le confinement il sera fait, j'irai voir mon pote Martin et on fera des belles photos. J'avais cru voir trace de mouvement, ouais, ici c'est marrant, le vert pastel il
Il sèche pas comme les autres, comme les autres peintures, quoi. Je fasse attention. Salut Monsieur Schlock, bonsoir. J'ose pas toucher une gurine à la peinture, mais j'aime mater tes vidéos. Ah ouais? Ah bah ok. Ok. Bah tu devrais, hein. Je veux dire, en plus mes tutos, je pense pas qu'ils soient très très compliqués, hein. C'est vraiment tout simple. Fais-le, il n'y a vraiment pas de complexité. Moi, je n'ai absolument aucun talent, c'est juste la praticité et le fait de faire beaucoup, beaucoup de fois. C'est comme la musique, quand je donnais des cours de musique, c'est pareil. Faire 25 fois ta gamme ou 50 000 fois ta gamme pour la comprendre. C'est comme un vocabulaire, tu le répètes plusieurs fois après, et après, dès que tu as compris, tu peux commencer à t'exprimer. C'est ce que je disais beaucoup dans mes cours de musique. Je disais, avant de t'exprimer, il faut que tu aies un vocabulaire. Tu peux pas parler si tu connais pas le vocabulaire. Donc c'est exactement pareil avec la peinture. Waouh! Ça, c'est des joueurs qui consomment, ils achètent beaucoup de caisses de game, ils y jouent à peine, ils ont 3 tonnes de figues, donc ils ne profitent pas, ils ne prennent plus le temps d'apprécier leur modèle, et etc. Il leur faut des tutos. Je fais des bases et je trempe dans le pot de shade avec un gros pinceau. Avec une grosse pince. Ouais, mais ça fait un. Moi, c'est pas du tout les personnes que je vise, de toute façon, je m'en fiche. Mais les gens, ils sont un peu à côté de la plaque. C'est marrant parce que des fois, c'est les mêmes personnes que vous rencontrez dans les salons qui viennent vous amener leur armée ou leur figurine. Ils disent, voilà, je suis super fier de ma figurine et tout. Et voilà. Et tu te dis, ok. Et ils viennent te dire qu'est-ce que t'en penses, alors que toi c'est ton métier, tu peux pas le dire, bon c'est de la merde ce que tu fais. Donc moi je leur dis la plupart du temps. Leur dis oui, mais toi c'est de la peinture pour armer, c'est pour jouer, moi c'est pas du tout la même approche. Et donc voilà quoi. Et après ils disent ah ouais et tout, ah ouais, et tu prends combien? Et quand je leur dis leur tarif, ils disent ah ouais, mais non, mais c'est cher en fait. Oui, c'est un travail. Hein. Ça tombe pas du ciel. Ça a 3 mois de peinture et ça donne des conseils pro. Ah oui, mais moins que ça. Hein. Il y en a. Moi, j'ai vu des tutos d'un Français qui débute et qui dit bon bah voilà, je vais vous montrer comment je peins. Et il monte les débuts en récupérant des techniques. Bon après, ça me dérange pas. Mais voilà, je trouvais ça. Un peu obvious quoi, de dire bon bah moi je sais peindre, je commence et vous j'explique. Mais t'as quoi? T'as 2 heures de plus que le viewer qui demande sa caméra en fait, en termes de peinture. Donc c'est assez, je trouve ça assez rigolo. Mais ils prennent des likes, hein, ces gens-là, ils prennent des likes. Hein. De toute façon, c'est comme tout, là, cette époque, c'est tout très vite, on s'en fiche de la qualité, on consomme. Voilà, c'est ça. Si on consomme, on consomme, on consomme. Moi, je connais des peintres hein, qui sont passés chez moi et qui achetaient des 15 milliards de peintures de peintres différents. Bah écoute, ami, je viendrai te voir avec une figue dont je suis fier et que tu me dises, bah écoute, ça c'est A, oui, je prendrai mal sur le coup, mais le but final, c'est ça. Ah ouais, moi, je dis pas, c'est mal. Je dis, ouais, bah, c'est de la peinture d'armée, quoi. Voilà, je vais pas dire que c'est de la merde, mais c'est pour ça que moi, quand j'ai des peintres, c'est leur métier, ils savent très bien comment je juge. Hein. Si c'est ton métier, je vais te juger. Et donc, moi, par exemple, quand je vois Martin faire des trucs et je vois les figurines passer, pourtant Martin Grandbarbe, c'est quand même un très grand peintre, bon, c'est un très bon ami à moi. Et je lui dis des fois, oh ouais, c'est chaud là. Il fait, ouais, j'ai trop galéré et tout. Même avant que je la récupère en main, il me dit, ah ouais, tout. Je connais ta critique. Mais par contre, il y a plein de peintres qui veulent s'améliorer, qui sont contents de la critique. Hein. C'est pas, moi, je suis pas un critique pour défoncer. Hein. C'est pour ça que je vous fais des tutos simples. Si je vous montre des tutos avancés, vous allez. Déjà, le dernier qui était compliqué, là, avec l'une dernière que j'ai faite, c'était compliqué, l'approche était compliquée, l'explication était compliquée. Si je vous dis ça à un peintre qui débute, il tombe par terre, quoi. Il dit, mais je comprends pas. On peint juste des figurines, c'est quoi le délire? Voilà, donc c'est pour ça que je vous montre, moi, tout simplement, mes petites peintures de jeu pour moi.
tranquillement, avec quelques petits trucs avancés. Mais c'est sûr que moi, j'aurais bien voulu travailler peut-être 15 ou 20 heures sur toutes mes figues, quoi. Ça m'aurait bien fait kiffer, mais c'est pas possible. Je n'ai pas un planning qui me permet de faire 10 ou 15 figues, 10 ou 15 heures sur mes figues. Mais après, c'est normal, hein, c'est normal. Mais en fait, ça critique trop vite les gens. Comme j'ai toujours dit, fais gaffe à qui c'est que t'es en face de toi. Je sais pas, ce que j'ai appris dans mes années, c'est fais gaffe à quelqu'un en face de toi, il connaîtra toujours mieux que toi. Tu sais pas à qui tu parles, tu vois. Tu peux parler à quelqu'un qui est au-dessus de toi, voilà. Donc ça sert à rien de se la raconter. Tu racontes juste ton expérience. Vous discutez et vous échangez vos expériences. Ça me dirait, moi je suis, moi je, moi je, moi je. Ok, toi tu. Voilà, typiquement. Comme les gens des fois qui arrivent sur la chaîne. Ah, moi je fais ça, moi j'ai une chaîne, moi j'ai un truc, moi je suis pro. Ok, bah, c'est bien, qu'est-ce que je te dis? Il a une accroche différente, ce truc. Bah ça c'est sûr qu'un débutant en peinture, tu vas le bombarder avec X tonnes de connaissances. Faut y aller progressivement. Ouais, bah je sais, hein, je sais très bien. Et de toute façon, ceux qui viennent me voir, hors stream ou des gens qui me parlent via les réseaux qui viennent me poser, c'est rarement des débutants en fait. C'est très rarement des débutants parce qu'en fait, il y a énormément de tutos débutants un peu partout. C'est des gens qui veulent avoir une connaissance un petit peu avancée, mais d'un autre point de vue. Ou des personnes avancées qui veulent devenir pro, par exemple. Mais c'est bien d'apprendre les bases. J'ai appris à beaucoup de débutants les bases. Et dès que vous avez compris le fonctionnement, après, tout devient plus facile. Tout devient beaucoup plus facile. Bon, ça me paraît pas mal, là. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai la peinture qui est partie là. Vite, correction. Hop, camouflage. Et voilà. Disparu. Ah, j'ai dû mettre un coup de couteau sans faire exprès. Ah, c'est pour ça que je fais des trucs sur Twitch pour que les gens y voient vraiment comment une autre approche de la figurine. Pas juste dégrapper, mettre sous couche, brossage, wash. Je vois pas l'intérêt de montrer ça en fait. Pour moi, ça en a. Et surtout maintenant, ces tutos-là et ces vidéos-là, il y en a partout en fait. Je vois pas pourquoi quelqu'un viendrait me voir pour faire montrer des trucs simples, plutôt des choses différentes. Différentes, je comprendrais que quelqu'un vient me voir pour quelque chose de différent ou peut-être rechercher une technique particulière. Mais le fait de dire, bah toi tu fais ça, puis ça, et en fait voilà. Il faut vraiment que le gars il tombe dessus, qu'il soit au courant de rien. Mais bon. C'est pas mon approche en tout cas. Et on n'avancerait pas bien là déjà? C'est pas cool ça? On est plutôt bien là. Alors ici, on n'a pas du tout le visuel. Ah si, c'est gris. Je vais le mettre un peu plus près parce que là, je le vois pas en fait. Ah, c'est noir. Ah, c'est pas noir, c'est. Ah, ok. Bon, on va les faire alors. C'est cette couleur-là, là. C'est ombre brûlée. C'est moi ou la peinture? Ah oui, c'est peut-être bien que j'en prenne. Donc là, j'ai retrouvé une bretelle ici, non? Après, c'est logique, hein, moi aussi, quand j'ai appris, j'ai galéré. Mais d'ailleurs, j'ai mis beaucoup de temps. Maintenant, c'est tellement plus facile à récupérer des tutos par-ci, par-là. Après, là, il y a les deux ici, là.
Logiquement, il y a les deux de l'autre côté. On en a deux de l'autre côté pour les peindre. Dieu, c'est chaud. De toute façon, je pense que vous pouvez. Je sais pas si vous voyez. Putain, j'ai réussi. Oh, incroyable. Incredible, j'ai réussi. Oh, l'armure, elle est belle comme ça. Hein. Voilà que j'en fasse plus souvent des armures comme ça, un peu vert pastel. Elles sont vraiment superbes. Moi, j'adore. Hein, c'est. En même temps, c'est très elfique. Et c'est logique. Alors, on va passer à la peau. Alors, la peau, j'hésite entre en mettre ça de base. Et l'enchère de base, c'est pas si c'est cher que je veux. Le cher clair. Je pense. On va enlever, on va passer cher clair plutôt. Ça me paraît mieux. Et après, c'est pour ça que j'ai fait des Patreons aussi, où je vous montre vraiment. Surtout que chaque figurine, là, sur les 4, 5, 6 figurines que j'ai fait depuis sur les derniers Patreons, bon, on tourne à peu près de la même façon, c'est-à-dire peinture de base, éclaircie, wash, etc. Mais on a des subtilités à chaque fois. C'est pour ça que j'aime bien Massive Darkness, Black Plague et tout ça. C'est que des figurines à l'unité. Et donc, vous les peignez à l'unité. Donc, c'est vraiment. C'est une autre approche. Ouais, je pense qu'on va prendre cette couleur. Par contre. Putain, elle est super épaisse. Putain, de faire gaffe. Donc, je la pose. Et après, vous inquiétez pas, je vais retravailler des autres figurines. Mais moi, j'avance déjà sur mon projet qui est déjà très, très, très long à mettre en place. Je fais à peu près 2,5 à 3 figurines par semaine. Comment ça s'appelle? Pour avancer pour mon jeu. Bien pour ce jeu, et après, de toute façon, il y aura mon jeu, il y aura justement des autres types de figurines. Et ça permet de montrer justement plein de choses différentes, et ça, c'est cool. Y a des peaux mates, il y a des peaux très claires, il y a des peaux foncées, il y a des peaux vertes. C'est ça qui est bien dans le médiéval fantastique, c'est qu'il y a vraiment, plein, plein, plein de couleurs. Je trouve que c'est encore plus. C'est déjà beaucoup moins flashy que le futuriste où c'est ça c'est ultra flashy. Regardez Infinity, comment c'est ultra méga flashy. Et après, ça aide, hein, mais ça vous conditionne à une façon de peindre en fait. C'est ça le problème. Gilardès, par exemple, qui est le peintre officiel, il peint énormément flashy parce que les concepts de base pour qui il a travaillé, par la société qui a travaillé le plus, étaient très flashy en fait. Donc il a gardé ce truc. Et moi j'évite justement de garder. Je fais plein de choses différentes. Et le médiéval fantastique, justement, ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de choses. Tu as du gore, du saignant, du dark. Tu as plein de choses comme très choses de très clean, comme les elfes qui sont très très clean. Tu peux pas leur faire des trucs super sales. Et voilà, c'est. Putain, alors, je vais être obligé de passer 2 couches là. Je suis quasiment sûr. On enlève un peu dans les yeux pour éviter d'en mettre trop. Bah justement, il y a tellement de vidéos existantes, mais difficile de constiguer, de distinguer le bon grain de livret. Oui, c'est ça. Salut le gauche. Donc là, c'est une figurine très elfique, très clean. Donc tout doit être clean sur cette figurine. Vous n'allez pas avoir de salissure extrême. Ça va juste être un petit voile de poussière. Voilà, c'est. En fait, il faut que vous racontiez une histoire sur la figurine si elle est dégueulasse, si c'est quelque chose de très chaotique, donc ça va être très sombre avec du sang un peu partout, alors que quelque chose d'un peu plus elfique va être beaucoup plus clean, beaucoup plus noble en fait. Donc, va être une approche de peinture beaucoup plus clean. Parce que si vous peignez de la même peinture, si vous peignez de la même façon toutes vos figurines, bah, vous allez vous rendre compte qu'il y a rien. Ça va poser un souci. Même techniquement, si vous faites toujours la même chose,
le rendu va pas être le même sous les mêmes furets. Ce que j'expliquais un peu plus dans une vidéo, l'approche de la peinture, l'approche de la technique, c'est la même. Il y a des figurines qui se portent bien la technicité et on n'a pas du tout quoi. Donc forcer à peindre une technique sur une figurine avec une technicité qui va pas, ça peut pas marcher. Typiquement les figurines des années 80, vous pouvez pas les peindre ultra techniques comme maintenant en fait, parce que la sculpture ne va pas. Mais par contre, elle marche très très bien sur les peintres de l'époque, c'est-à-dire avec des gros glacis, des grosses bases de couleurs, des trucs super acidulés et tout. J'évite d'en mettre. On pose du sang, du sexe et du mola. Quoi? Putain, mais alors, sans déconner, le chat. Vous êtes insupportable. C'est bien, je vous regarde pas, donc ça tombe bien. De toute façon, il y a un modo qui vous gère, donc c'est pas à moi de vous gérer. Si tu restes après le gauche, tu verras comment j'ai avancé sur ton Nakion. J'ai quasiment fini le rendu couleur de comment ça s'appelle de la monture. Tu verras. Putain, mais il y a tout le monde qui arrive là. Ça, c'est bien ça. Salut, trou, le trou Earl dormiant. Pareil, vous avez vu que le rendu caméra est beaucoup mieux. Parce que c'est une figurine qui est beaucoup plus lisible. Après, je pourrais rechanger un peu la couleur, mais tu verras, c'est très sympa, vous verrez. Je le ferai après. Donc les amis de YouTube ou de Patreon, n'hésitez pas à passer le soir après la vidéo avec madame ou avec monsieur. N'hésitez pas à passer sur le Twitch et vous pourrez se constater le plus de barres hein, juste après les tutos où on est chaud, on sent bon, on est en fin de soirée, on peut discuter, on peut monter sur du, comme dirait, ah je peux pas la faire sur Twitch. Cocaïno rap musique pour ceux qui connaissent le Roi Inok, un peu l'humour. Son visage, je suis obligé de mettre des tonnes de couches de chair de base, mais ça lui va tellement bien. Donc on se marre bien. J'étais sur de la peinture d'aurore bleue, trop nul les pinceaux et la peinture Games. Il y a un contraste de malade entre la monture et les cavaliers. Un effet excellent, très graphique le truc. Ouais, ça a été très graphique. Ouais, bah, toi, tu l'as vu parce que tu étais t'es dans le turfu, toi. Toi, tu es dans le turfu. Comment ça s'appelle? Forgistique, tu es dans le turfu, toi. Tu vois tout à l'avance. Mais c'est vrai que c'était plus un rendu graphique qu'un rendu réaliste. Rendu réaliste m'embêtait un peu de faire une peau noire sombre. Non, le visage, il est gigantesque. Alors vous le trouvez peut-être petit, mais en fait, quand vous mettez celui-là à côté, il fait le triple. Le visage, il fait le triple. Il va être vraiment sympa. Il va être vraiment sympa à travailler. Allez, on en a combien? 1h14. On a déjà 1h14, les amis. Ça va être, cette peinture va être assez rapide à faire. Les basses, autant c'est cool. Ok, je vais mettre ça plus près. Donc on fait les cheveux. C'est parti. On fait les cheveux, donc c'est notre gris allemand. Et tu verras, il est très graphique, hein, la créature. C'est pas un clown, mais j'adore l'effet graphique. On est dans le turfu. Donc toujours le même pinceau ici, hein. Il se porte bien, il a une pointe. C'est bien que si je suis sous la caméra, non? C'est mieux pour les spectateurs, pour les abonnés de voir ce que je fais.
Bon, là, je tricherai un petit peu sur les cheveux. Je serai obligé de dessiner des cheveux. Parce que comme j'ai un petit peu converti, il y a des cheveux qui ont disparu. Putain, c'est chaud par contre. Army Painter pour le métal, oui. La mode aéro. Army Painter, non, 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 non. Army Painter pour le métal. Non, 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 Metal Color. Metal Color Valero. Non, non, pas d'Army Painter pour le métal. Je sais pas, j'ai dû peut-être le dire sans faire exprès, mais non, 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 c'est pas ça. Le métal, c'est. C'est encore Valero et je prends la Valero R, moi. Parce qu'elle est plus fluide et ça vous permet de travailler en métal non métallique. C'est-à-dire que vous pouvez faire la même chose en non métallique avec ces peintures parce qu'elles sont tellement fluides que c'est beaucoup plus cool à travailler. Ah, j'ai quand même bien fait de séparer les cheveux, hein, ils sont beaucoup plus cool comme ça. Ah, t'as que ça, c'est pour ça. Bah ouais, bah fais avec, hein, qu'est-ce que je te dise. Tu fais avec. Et dès que tu les as finis, tu passes à la Valero. Alors si le wash il va être un peu plus compliqué à travailler que d'habitude, c'est comme la figurine elle est très claire, si je mets un wash très sombre comme je pourrais faire habituellement, ça va dégueulasser la figurine. Donc on va bosser sur un wash très clair, voire même le wash sera de la peinture. Tu peux les avoir en boutique, je sais pas s'ils y sont. Avant de finir, faut que je commence et c'est pas gagné. Bah motive-toi, mets-toi avec moi le soir et pas avec moi le soir. C'est motivant de peindre à plusieurs, surtout pour si t'as un gros projet où tu débutes un truc, c'est toujours bien de peindre à plusieurs. Ce qu'on faisait beaucoup, nous, à la boutique où je travaillais à Paris, ou même après quand j'ai eu ma boutique, je préférais peindre à plusieurs, c'est beaucoup mieux. On faisait des sessions de fou, hein. Les gens, ils arrivaient à 21h, à 3-4h du matin, on n'était même pas sortis de la boutique, s'il te plaît. On est qu'en train de discuter, en train de peindre. Tu bloques un truc de dingue. Ben, ça dépend. Qu'est-ce que c'est quoi? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui te bloque dans ta peinture? Tu n'arrives pas à trouver la solution d'un truc, d'une peinture, d'un rendu, d'un. Putain, faut absolument que je me décale, sinon vous voyez pas. Comme je suis concentré sur ce que je fais. T'oses pas? Bah vas-y, ose, hein. Ah, monsieur Slocky est en Belgique. Je devais faire un figostage en Belgique il y a 2 ans. J'ai refusé. Parce que je sais même plus pourquoi. Ah si, j'avais que 6 élèves en fait. Voilà, je viens de me rappeler. J'avais que 6 élèves et j'étais pas remboursé de mes frais de transport avec les 6 élèves. Donc en fait. Ose, hein, tu t'en fous, hein, vas-y, c'est parti. Hein. Si t'oses pas, tu t'avanceras pas. Et après, tu t'en fous, tu peins pas. C'est pas de l'or que tu peins. Si encore c'était de l'or, que si tu peignais pas. Mais tu peux les redécaper, tes figurines en plus. Et je devais en faire un figostage en Belgique, mais bon. J'avais pas assez de monde. Ouais. Aller-retour Belgique, 2 jours, donc 2 jours d'hôtel, même 3 jours, parce que je partais pas le dimanche soir, je repartais le lundi matin.
En fait, je me faisais gagner, allez, je crois que c'était 110 balles pour 6 personnes pour 3 jours. C'est pas possible. Je peux pas me déplacer pour ça. Moi, ça me fait perdre quand même un peu du temps. Moi, entre-temps, je peux pas avancer sur mes commandes professionnelles, bien sûr. Mais c'était il y a un petit moment déjà, quand même. Et après, ben, il y en a des autres qui ont été à ma place. Mais bon, c'est comme tous les peintres qui ont besoin de se faire connaître. Ils font dans des endroits où, malheureusement, ils perdent de l'argent à y aller. Mais bon, ils se sont fait des amis, quoi, en gros. J'en profite pour faire l'œil. Après, tu peux peindre des trucs un peu à l'arrache, hein. T'es pas obligé de peindre tes figurines si t'aimes bien tes figues. Hein. Mais si t'oses pas, t'arriveras jamais à avancer. Moi, au début, je barbouillais, hein. C'était moche ce que je faisais. Même si j'ai toujours voulu donner un rendu. Mais moi, j'ai commencé par de la maquette, donc en fait, c'est un peu différent. J'ai commencé par des porte-avions. Par des voitures ou pas? Non, j'ai fait avion, porte-avions, char. Et j'étais avec de l'énamel à l'époque, donc laisse tomber le carnage, j'avais mal au crâne au bout de 20 minutes. J'ai dealé à White Spirit, j'étais complètement défoncé. Voilà, c'était une drogue. C'est le cas de le dire, mon hobby était une drogue. Et surtout, c'est un des moments où je me suis dit qu'il fallait que j'apprenne à peindre beaucoup plus vite. Parce que c'est beaucoup trop long sinon à faire un film. Je prépare tranquillou, je saute, ok. Bien sûr que la drogue c'est mal. Mais peindre c'était pas mal à l'époque, c'était pas considéré comme de la drogue. Bon, bah là c'est pas trop trop mal. Ici il faudra que je remette. Est-ce que j'ai du verre qui traîne un peu là? Les grands peintres sont tous drogués. Non, pas vraiment. Là, je prépare des Vikings de chez Vitrix. Ah, je connais pas. Mais par contre, ah ouais, les Vikings, c'est trop cool. Moi, j'aime bien les Vikings. C'est un peuple bien, bien barbare. Bon, même si on commence à se rendre compte que c'était pas le cas en fait. Mais dans la mythologie contemporaine, on les assimile à des barbares. Stupides ou pas. Maintenant, ils sont de moins en moins stupides. On les considère comme de moins en moins stupides, mais. Oh, ben, c'est pas mal, ça. Ça me paraît bien. Ils vont pas s'en aller en Andy Warhol, tout ça. Ouais, alors, Forgistique, tu vas trop loin. Toi que t'es pas drogué à faire tes machines en résine, là. Ouais, ça me fait rigoler. Allez, Griciel. Et pourtant, t'es pas un artiste, hein. T'es un printer de qualité, mais t'es pas un artiste. Hein. De toute façon, je le suis pas non plus, donc ça tombe bien. Et bim! Allez, notre grosse base de gris-ciel. Allez, on pose comme des bœufs. On sait de toute façon que la PA va être toute fine à la fin. Comme ça lisse encore plus. Ok, donc là, on va commencer à retravailler le beige ici, mais on va sécher avant pour éviter que la lame coule sur le beige. Je vais vous lancer une petite pub, vous savez. Ah, je vais lancer une petite pub. De toute façon, les abonnés, vous n'allez pas la voir, donc vous vous en fichez, mais je vais lancer une pub.
pendant que je fais mon séchage. Attention, toujours attention, regardez comment c'est super mou. Donc chauffez pas trop. Ça c'est une belle truc pour faire des pour changer le mouvement des bras ou des choses comme ça, c'est bien pour faire des mini conversions. J'utilise assez souvent. Donc là si vous voulez, on peut même faire remonter les bras comme ça. Mukomma, OK, si tu dis. Donc on va, je pense qu'on va les laisser comme ça. On va peut-être le descendre un peu plus. On va peut-être le mettre même un peu plus en arrière. Et lui, on va le tourner un peu plus comme ça. On va les laisser sécher. À droite, ça bouge plus. Et voilà, on a modifié le positionnement des bras. C'est pas trop cool ça? Et voilà. Ouais, je lui fais faire sa gym, c'est ça. Donc là, un petit truc au bout. Wow, j'ai le bezel de ma caméra qui me donne une autre couleur que tout à l'heure. Donc c'est un peu embêtant. Allez, on fait. La garde, donc on va faire notre beige. Notre beige. À chaque fois que vous avez fait en fait votre peinture que vous avez mis devant et que vous avez utilisé la peinture, hop, vous le décalez autre part, comme ça il vous reste ce que vous avez en face de vous, la couleur qui vous reste à appliquer sur votre figurine. Bien sûr, c'est bouché. 1h21, 1h20, 1h30 plutôt. Bon, c'est pas mal, 1h30, on a super bien avancé. On va pouvoir travailler un petit peu sur le visage. Et est-ce qu'on fera le custom? Non, je pense que je le ferai. Hein. Je le ferai en début de partie 2 demain. Alors attends, un petit peu d'eau parce que là, il est un peu granulé le coco. Moi, je le fais en beige. Logiquement, si vous regardez un petit peu, c'est une sorte de jaune. C'est une sorte de jaune un peu goldé, en fait. Ce jaune, je suis pas trop trop fan. Je préfère le faire en beige et après le refaire en ivoire. Ce jaune-là, c'est un peu ce que j'appelle un jaune illustration, un gold à illustration. Le mélange, elle est de trois couleurs, donc elle m'embête vraiment pour faire juste de la peinture. La peinture simple. Mais sinon, le pot, je crois qu'il existe
Chez PA, je crois, il existe. Hein. C'est Cold Green, je crois, un truc comme ça, que je le trouve. J'ai pas entendu Monsieur Le Gauche. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait de la figurine ou il modère sur une autre page? Bon là c'est plutôt cool. Bon là je sais pas comment on va intégrer une tige, mais ça va être compliqué de rond. Ça me plaît. Je vais remettre une couche de gris ciel. Lisser encore. Il n'est pas là, le mégot, il doit être sur une autre page. Il est en train d'écouter quelqu'un d'autre. Donc ça c'est bon, ça c'est fait. Il y a des petites corrections de verre à faire, je vais les faire tout de suite. Donc là le wash va être beaucoup plus subtil. Foncé. Ah oui, ok, elle est là la truc. Maintenant je la comprends. Je la comprends un peu mieux. Je la comprends un peu mieux la feuille maintenant. Oula, je n'ai pas fait de mélange là. Je dilue un petit peu tout ça. Vous êtes toujours là, les gens? Je vous entends plus. Vous êtes en train de travailler? Vous êtes mourus? Ils sont mourus! On va mourir un grand coup! Profite pour en mettre un peu de verre. On regarde sagement. Ah! Donc là, on redonne un petit peu de teinte de verre. Vous avez vu que le rendu est un peu plus vert. Donc là, je vais corriger. Parce qu'au séchage, le rendu est un peu trop. Donc là, vous avez vu, c'est un petit mélange. Je continue à faire mon mélange là-dedans et je prends la bonne couleur. Correspond à ce que je vois. Ah, ça, c'est des cheveux là. Ça, c'est des cheveux. Ils avaient pas peint. Et pas peint PAP1. Parce que je me demandais ce que c'était, mais maintenant je sais ce que c'est. Tant que à côté, c'est sec. Je sais ce que c'est, ça c'est des cheveux. Vous avez vu, je ne les ai pas vus sur le coup. Hein.
Je sais pas trop ce que c'était maintenant. Je sais ce que c'est. Ça arrive très souvent. Je la garde, je fasse la garde, je fasse le poignet ici. Il n'y a pas beaucoup de place là. Ça m'embête ce que je vois ici là. C'est pas assez lisse. Bon, je vais laisser sécher pour le retravailler après. Vous avez vu la couleur JP. Je peins, ok. Vous avez vu le rendu ultra mat que fait le gris allemand. Le gris allemand, c'est normal en fait, c'est le rendu. C'est pour ça que derrière je fais des glacés pour vraiment retravailler ce style. C'est pas mal, les amis, c'est pas mal. On avance gentiment, on avance. On avance, on avance. Il y avait une vieille chanson dont je suis pas fan du tout de la personne qui chante ça, mais ça me faisait penser à ça. Par contre, ça va être du wash ciblé, c'est-à-dire qu'on va prendre des washes de couleur et on va les cibler dans des endroits. Hop, on va recorriger les petites erreurs qu'on a fait. J'ai fait une armure entièrement de cette couleur beige là. Et en dégradé, c'était sur un des héros justement de cette extension là, le Massif d'Arnes. Ah bah c'était bien bien compliqué. Hein. Je peux même pas faire un tuto, c'est tellement chiant. Tout en full non métallique. Je vais laisser sécher. Ok. On va faire l'arme. Donc ça c'est fait. Ça c'est fait, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. On va bosser l'arme, l'arbalète derrière. Donc on va quand même. Oh salut LSD! On va quand même. Oh, je crois que c'est trop clair. J'espère que j'en ai. J'espère que j'en ai de celui-là, parce que sinon il va falloir que j'en ai un autre. D'autres. Ouais. Je crois que j'en ai plus. Alors. Je peux prendre du P3, mais j'ai pas envie. Alors, attendez. Qu'est-ce qui me reste là? C'est quelle couleur ça? Ah, oh, j'en ai un. Non. Ah, dommage. Alors, est-ce qu'il me reste ou je vais être obligé d'en acheter? Mais... Oh, c'est la fin des haricots. Ah, excusez-moi. C'est la fin des haricots. C'est la fin des haricots, comme dirait l'autre. Bon, c'est le dernier pot que j'ai. On va bien, bien le mélanger. Il va falloir que j'aille en racheter. Il m'en reste quoi pour faire une ou deux figues, mais bon, j'ai pas envie de tomber en rade en plein milieu d'une commande pro, ça serait trop relou. Oh là là.
Ça va être trop transparent, ça. Non, on peut s'en sortir. On peut s'en sortir, les amis. Sinon, il y a la même couleur chez P3. Je l'ai en P3, mais P3 sont tellement rares les peintures maintenant que. J'ai pas envie de trop les utiliser. J'ai utilisé que pour leur utilité et pas hors de leur utilité. Ce serait bien que je reste sous l'écran aussi. Que je fasse deux couches parce qu'elle est vraiment trop fluide. En fait, j'utilise tellement souvent cette couleur. Mais franchement, j'en ai pas une qui traîne. Non. Elle est très transparente. Hein. Donc, je vais rajouter un peu de P3 dedans pour la rendre un peu plus opaque. Oh, putain. Ouh. Ça va être mieux. Ça va être mieux. Par contre, l'arc bleu sur un truc, sur un fond vert. Je suis pas super fan. Ah ouais, c'est mieux déjà. Je suis pas super fan. Bleu et vert l'un côté de l'autre, moi j'ai un peu de mal. Ils sont trop près dans la palette chromatique pour les mettre l'un côté de l'autre. On y va tranquillement, mais sûrement. Alain Souchon, ouais, c'est ça. Les gens qui peignent en même temps, en fait, il n'y a plus personne sur le stream, c'est rigolo. Je vois les viewers, alors je sais pas si c'est mon PC qui déconne, mais. Et tout le monde disparaît d'un seul coup. C'est bien si vous peignez en même temps. Au moins vous avancez sur vos projets, c'est cool. Parce que vous êtes en train de me regarder avancer sur le mien, mais vous avancez pas sur le vôtre, donc autant le faire en même temps. De toute façon, j'ai pas grand-chose à raconter sur ce premier tuto, hein. Simple, les bons choix de couleurs à prendre, c'est tout. Qu'est-ce qu'on est là? 44, bon bah c'est bien, cette petite heure est sympathique. Par exemple, là je vois sur le dessin qu'il a des cheveux qui coulent devant, qui descendent devant les oreilles. Est-ce que je les dessine? Je sais pas. Je sais pas. Bon, on continue. Notre beige là, on va faire. Les trucs fins là avant de commencer à mettre le wash. On ne sait pas sculpter, mais il va falloir que.
je dessine le petit loquet au milieu là. Voilà, il n'y était pas, donc je le fais. Je commence pas à devenir flou l'image. Ah si, c'est bien ce que je pensais. Moi, je commence à devenir fou la caméra. Galère un petit peu. Alors après, normalement, il doit y avoir les boutons comme dans les autres, ouais, c'est ça. Je vais peut-être pas y arriver avec celui-là. Donc là, vous faites une petite boule au bout de votre pinceau et vous utilisez comme un tampon. Alors, qu'est-ce que j'ai pas fait d'autre là? Ok, j'ai pas fait ça, la garde de main. On va faire nos flèches, nos plumes de flèches, marron-orange là. Celui-là, il est nickel. Bon, il va falloir que je rachète du bleu marine foncé, hein, je l'ai tué. Je l'ai tué, je l'ai tué sur quoi d'ailleurs? Ah oui, je l'ai tué, ah oui, je sais sur quoi je l'ai tué, c'est pour ça. Ce serait bien que je peigne dessous aussi. Toujours hein, le mouvement de tirer la peinture vers vous, c'est votre. C'est la plus logique des mouvements de la main quand vous appliquez quelque chose. Le fait de tirer vers vous est beaucoup plus simple. Bon, bah ça me plaît. Qu'est-ce que j'ai pas fait là? Pas grand-chose. J'ai mis du bleu en bas là. Faut que je refasse ma couleur. Je refasse ma couleur verte. Non, c'est pas du tout cette couleur-là. C'est plutôt celle-là. Bon, ça passe plutôt bien. Là, il y a du vert à faire. Donc comme d'hab, hein, on clean le plus possible avant de poser le wash. Là, il y a du vert. En bas ici. Ok, on va commencer le premier wash, pas le premier wash vert. Donc notre base, notre couleur de base était donc celle-ci. Donc on va prendre en face, en wash, quelque chose qui est très dilué. Et on va poser ici, dans les creux. Donc c'est assez dilué, hein. On va pas prendre beaucoup plus, sinon ça va être trop chiant à gérer. Donc pareil ici,
On fait un petit wash ciblé. Là, pour faire le tour. Et hop, on enlève le superflu. On essuie notre pinceau. Et on enlève le superflu. Ici aussi, on enlève le superflu. Toujours la même dilution ici. Là, on en met un peu plus. Et on l'enlèvera. Voilà, on l'enlève. Tout ce qui pourrait faire des taches. On va sécher. Maintenant, on va faire le wash de l'armure ici. Donc, on était parti sur du vert pastel qui est donc là. Alors, est-ce qu'elle est encore bonne dans ma palette? Elle est encore bonne dans la palette. Et on va aller mettre notre gris olive. Pour faire quelque chose de pastel, un petit peu plus foncé, mais pas beaucoup plus foncé. Voilà. On va diluer pour faire notre wash. Merde, on est foutu sur la caméra. Ego. Là, ici. Donc là, vous voyez, c'est un vrai wash par zone. C'est-à-dire que vous allez faire le wash de la couleur. Pas que du simple wash noir, hein. Là, vous créez vous-même votre wash. Est-ce que j'en ai assez? Est-ce que j'en ai assez? Sur les armures, c'est vraiment magique. Hein. Faut que j'en refasse, j'en ai pas fait assez. Peut-être après, à partir de la fin du mois, comme j'ai investi sur une autre caméra, peut-être que vous aurez le visuel sur ma palette. Mais bon, quand je fais des trucs spécifiques comme ça, je mets une petite palette à côté, comme ça vous pouvez voir. Mais moi, comme je peins avec une palette qui est bourrée de couleurs dessus, c'est pas super lisible à la caméra. Enfin, c'est vraiment génial. Hein, le pastel, j'en ai pas fait assez. J'adore cette couleur. Elle est compliquée à travailler comme toutes les couleurs qui sont super claires. Mais le rendu est tout de suite sur une armure est vraiment trop ouf. Enfin, bah, vous le voyez, hein, c'est vraiment génial. Le rendu est tout de suite super, super qualitatif. C'est vraiment. Quand on fait des washs, on n'est pas obligé de faire toujours du noir, du marron, du truc foncé. Vous pouvez le faire avec de la peinture. Vous prenez la peinture, vous faites la dilution qui correspond à la dilution pour le wash et c'est parti. Hein. Vous washez les endroits. Vous washez les endroits qu'il faut bien. Donc là, vraiment, je cible. Hein. Je passe pas sur un wash de barbare. C'est vraiment un wash ciblé. Et non un glacis. Un glacis, c'est beaucoup plus fin encore que ça. Là, on travaille vraiment les ombres, on ne travaille pas la zone globale. Le fait que j'essuie comme ça enlève la peinture qu'il y a sur la superficie, parce que je veux ne travailler que l'effet de profondeur.
Pas mal le rendu, non? Ça me plaît, moi. Cause des sculptures qui sont super bien faites comme celle-là. La peinture est vraiment très 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 facile. Il n'y a quasiment aucune complexité. Tout est super fin. Tout est. Ah, j'en ai mis un petit peu sur la main. On va rattraper. Donc là, j'ai vu que j'en ai mis un petit peu de rose. Un petit peu d'orange. On va le corriger tout de suite. On va se faire. Ah, le rendu, moi j'adore. Cette figurine, elle est belle, hein. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Donc là, j'ai du wash noir. On va sécher. Et encore 4 petites minutes. Celui-là est quand même beaucoup plus. Cette peinture-là est beaucoup plus qualitatif que les autres qu'on a pu faire, en fait, hein. Tout simplement, selon le type de figurine, bah, ça rend plus ou moins bien. Donc là, on va faire notre petit wash habituel avec le dark tone. On va cibler ici les cheveux avec du médium de chez Contrast, de chez Games. Tac, 50-50 suffit largement. Votre petit mélange. Il adhère bien ou pas? Ouais. Moi, je veux qu'il adhère cette fois-ci parce que je veux recouvrir vraiment la zone de cheveux. Je veux pas simplement que ça aille dans les creux. Je veux aussi que ça aille vraiment partout sur la figue, bah, partout sur les cheveux, pas juste en profondeur. C'est un wash qui teinte, si vous préférez. Ici, on va éviter d'aller faire ça n'importe où non plus. On cible vraiment les cheveux. Il ne faut pas déborder, il ne faut pas qu'on en mette sur la peau. Si j'en ai assez, je peux faire le marron. Ok, je vais faire le marron. Avec ici. De l'arc. Un tout petit peu. On va remettre par-dessus les lanières. Bien sûr, ici, on a mis déjà du. Alors avec la contraste, ce qui est bien, c'est que ça part pas n'importe où. Si vous avez bien géré votre dilution, ça part pas n'importe où. C'est plutôt pas mal. Et cette fois-ci, toujours la même. Et on va diluer beaucoup, beaucoup plus, quasiment du transparent. Alors pourquoi du transparent? C'est qu'on va le faire sur du clair. Je préfère l'autre modèle quand même, l'autre elf. Ouais, parce qu'il est beaucoup plus dark. Celui-là, il est beaucoup plus. Tu préfères loyaliste. Donc là, hop, on va mettre quelque chose de très dilu, très diffus plutôt. Juste pour donner un petit reflet dans l'arme.
travaille aussi un petit peu dans le fond là, pour préparer les linings. Après j'aurai le visage à faire avec un dernier, avec un wash vite fait. Et on sera bon pour cette fille. Petite tache ici, on va l'enlever. Allez, on sèche. Là, on évite la tache. Ça, c'est un peu les problèmes. Vous avez un truc. Et vous avez un truc qui se colle dessus. Allez. Elle est trop bien comme ça, moi j'aime bien. C'est ça des figurines de gros volume. C'est beaucoup plus facile à peindre et on va dire moins compliqué que ça. Ça c'est beaucoup plus complexe. Regardez, rien que la cape ici, c'est quasiment le corps du perso quoi. Comme j'avais fait un elfe très dark, je me suis dit je vais me faire un elfe beaucoup plus clair. Et hop, ça c'est fait. C'est fait et on va passer. Alors, normalement, j'en ai un autre qui traîne. Il est où? Voilà, il est là. Bon, ça, c'est bien, ça bouge plus après, vous êtes tranquille. Et on va faire le wash du visage. Donc, on va wash avec l'extra opaque gris. Et on va pas wash avec du wash. Bien sûr, ça se bouge comme à chaque fois. La chance que je peins. Que l'atelier est toujours peint loin du radiateur, vraiment se coller assez loin du radiateur. Parce que vous abîmez toutes vos peintures comme ça sinon. Ça bouge bien tout. Ça s'est pas bouché. En fait, tout à l'heure, pourquoi j'ai pas pris ça de base, c'est que j'aurais dû faire un éclaircissement en fait avec l'elfe clair. Que là, c'est le contraire, c'est-à-dire qu'on a pris la chair de base et on va le foncer. Tout à l'heure, j'avais une approche qui me disait, oh, je vais peut-être faire l'éclairage. Et en fait, non, on est sur une partie, on est sur la première partie du tuto qui est simple, la deuxième sera demain. Et donc, autant qu'on fasse quelque chose vraiment de simple. Et donc là, vous avez tout le visuel, bah, tout va sortir en fait. Que je regardais un petit peu les modèles des gens qui comment ils ont peint cette figurine. Comme d'hab, on enlève tout ce qui est en trop. Donc cette fois-ci, vous avez vu qu'on a utilisé bah, deux fois, on a utilisé de la peinture pour faire le wash, l'armure et la peau qui est très claire. Ah, déjà, je vois que la caméra devient floue. Ça, c'est un peu le problème. Ça va me paraître plutôt bien ici. Alors là, il y a une petite erreur. Je vais reprendre mon. Il y a une petite tache de vert, donc on va le corriger tout de suite.
Ah oui, aussi, je voulais vous remercier tout le monde. Hein. Tous ceux qui viennent voir, bah, c'est surtout moi. Hein. Ou pas, ça dépend. J'ai dépassé les 500 heures de stream live. Donc vous pouvez vous rendre compte qu'il y a quand même pas mal de vidéos. 500 heures, surtout qu'un tuto, c'est 2 heures. Donc j'en ai fait quand même pas mal. Là, je corrige un petit peu le rendu des oreilles. L'autre côté, l'oreille, il n'a pas été très très bien mise. Donc, je suis obligé de la créer un petit peu. On va sécher, on va remettre une couche sur le visage. Et on aura fini cette première partie. Cette partie simple. Vous avez vu qu'au séchage, la couleur ne donne pas pareil. Les épées, elles sont bien comme ça, elles sont clean, elles sont propres. La deuxième partie de cette figue va être cool, hein, je vous le dis tout de suite. Hein, parce que déjà, on va convertir quelques trucs. On va rajouter le fil. La corde de l'arc. Le visage commence à devenir vraiment tip top. Ok, ça c'est fait. N'oublie pas de travailler sans les mains. Et on va se dire que c'est fini. Et puis des petites erreurs aussi de peinture. Et après, on pourra refaire tous les reflets de l'armure ici, on va les retravailler. On sèche et je vous dis, bah là, je regarde un peu la gamme. Elle est marrante, la fille de l'éléphant. Un pack Spadassin assassin apparemment. Ouais, c'est ça. Bon, bah les petits amis, pour cette première partie, donc là, on fera de la custom le tour d'après pour la part 2, donc demain, même heure. Oui, bien sûr, je l'ai, la pack. J'ai tout Massive d'Arthès, j'ai tout Green Horde, j'ai tout Black Plague, j'ai tous les box, je les ai tous en fait. Donc, merci à tout le monde. Les petits amis Twitch, ne partez pas, on enchaîne après. Je continue à faire, bah là c'est pour moi, mais je continue à faire une commande. Donc on finira l'archéon de Monsieur Le Gauche. Donc merci bah, aux viewers, aux abonnés, etc. etc. Merci aux youtubeurs. Si vous êtes bienveillants, bien sûr. Si vous n'êtes pas bienveillants, bon, bah, je ne vous dis pas merci, hein, malheureusement. Et les petits amis de Patreon, bah, merci à vous de vous abonner. Les Twitch aussi, merci à vous de vous abonner. Excusez-moi pour la caméra. Et je vous dis à demain, 21 h, pour un autre tuto pour continuer Sylvan. Les amis Twitch, restez là. Vous allez juste faire un petit F5. Je vais changer de scène et je vous dis à tout de suite.